Ouais. On s'est levé tôt là. Ouais. C'est la plus grosse journée aujourd'hui. J'espère que mes souliers, mes pieds vont survivre. On vient de partir pour le hike. Puis regardez mes souliers. Elle a sauté dans un trou de boîte. Malaise. Tout le monde me juge parce que j'ai pas des bottes de randonnée, mais j'ai juste oublié. That has healing properties. And actually, you know, the step of the tree is just to deworm intestinal parasites. It's here. Or worms. Okay. Pruning ants, because they prune the plants. Okay? So look here, they are, many of them are taking leaves, small pieces of leaves. Mm-hmm. But later, what are you going to do? No, that's not eating food. Hey guys, welcome to the Titanic boat. it's very fun. What's a fish? A small fish jumps, a mini or a small single fish jumps quickly. C'est comme le jeu de la tombe. C'est pour qu'ils vont sortir. Oh mon Dieu, ça a l'air méchant, ça. Ouf. Ça, c'est moins cute de proche. Fait qu'on est en plein la jungle dans notre bateau. Là, c'est l'heure du déjeuner. Fait que le camp, nous a fait comme un petit lunch avec des petits biscuits, une orange. Un sandwich, jambon, fromage. Ici. C'est quand même un bon petit lunch. Du jus de pêche, je pense. La fois que j'ai bu du jus de pêche, j'avais genre 5 ans. Oh mon Dieu, j'ai un peu peur. Yann, j'ai un peu peur. Oh,
Je suis un peu plein, il me regarde. Je suis pas bien. Je suis pas bien, il me regarde. Oh mon Dieu. Ça, c'est le amigo. Ok, pas mal. Ça va, c'est. Ok, they say what you jump 6 feet away. 7 feet away. Je suis pas bien long de leur dire qu'ils nous regardent comme si elle voulait nous tuer. Mais c'est long, là. We cannot distinguish, you know. Je suis pas bien. Another angle. On s'en va, on marche pour aller monter dans une montagne, je pense, puis voir le coucher de soleil, puis les oiseaux. On est sur notre chemin, on est vraiment fatigué, on a fait une sieste tantôt. Dans la jungle encore. On va dans la jungle. Check it out. Là, ça va juste par rapport à Yéco. Aïe. Yann qui est à côté. On est vraiment, vraiment, vraiment haut. J'ai chaud. Ah, oh, il fait chaud. Ryan, t'as-tu chaud? Non, c'est de l'eau. De mon corps. De mon corps. On a monté un autre palier, là, on est encore plus haut. Je pense que notre guide, il dort. Ça se peut-tu? Je pense qu'il fait des dodos. Mais la vue, là, ici... Vite! Vite! Dernière soirée dans la jungle. Il reste demain après. Demain, une grosse journée. Bah, ouais, ok, ouais. Pas ici, mais. Thank you. The beer is? For me. Ah, do you want a glass? Ah, yes, please. Ok. Non, c'est une méchante qui me tente, ça. Tu voulais goûter? Merci. Merci. J'ai jamais vu ça. Ils sont généreux dans la jungle. Fait que, ouais. Cheers. Attends, là, un vrai cheers. Si je vois rien. La fin de notre voyage. C'est fou, hein, tout ce qu'on a fait. Ah ouais. Vraiment. Genre 2 semaines et demie, là. On a tellement envie d'en faire, là. Fait que non, demain, très gros jour, on se lève à. Si ça va être ça, 5h30, on se lève à quoi, 5h? 5h, ouais. Fait qu'à 5h, on se lève. Après, on s'en va des perroquets, des montagnes. On vient ici, on prend une douche à 10h pour être parti. On s'en va visiter le marché de Puerto Maldonado. Après, on retourne chercher nos voyages. On prend l'avion à 5h pour faire de Puerto Maldonado à Lima. On arrive à Lima vers 7h. Et on prend l'avion seulement à 2h du matin pour arriver à Montréal à 11h. Ça va être un bon programme, hein? Hein? Mmh? Ça va être long. Ça va être une grosse journée demain, là. Ouf. Ça me tente pas. Ce soir. Ouais. C'est pour ça qu'on boit. Pour oublier que... Oublier le... tout le... Ok, la question du voyage, est-ce que je t'en focus? Oui, tu t'en focus. Parce qu'à chaque fois, Eric, à moitié des photos, tu t'en focus. Ok, je voulais juste dire que c'est la dernière soirée au Pérou. Ben, oui, non. Demain, on va le passer à l'aéroport.
Fait que ça compte pas, ça. Ça compte pas, là. C'est genre la dernière journée au Pérou. Puis là, on dirait qu'on vient de réaliser en checkant les photos. Puis honnêtement, on dirait que ça fait un mois qu'on est ici. On a regardé les photos de quand on était dans le désert. Puis on dirait que ça fait genre un mois de ça. Lim, y a-tu de Puis, ouais. On a de la peine, on dirait. Ouais, on vient de réaliser, on dirait. C'est juste qu'on a tellement fait de villes, puis on a tellement fait d'activités, puis tellement d'affaires, on a tellement été occupés. Fait qu'on dirait que ça fait tellement longtemps qu'on est ici. Ça a tellement passé plus lent. Ouais, genre, mais vite, genre. Lent, mais vite. C'est pas qu'à dire, genre. Faut le vivre pour. Ouais. On a tellement fait de villes. Tu sais, on a quand même fait 7 villes différentes, complètement différentes, là. Ouais. Moi, pour moi, c'était comme 7 voyages différents. C'est pareil, on dirait, genre. On dirait qu'on a fait le tour du monde. À vous, hein? C'est pas qui? Je suis tellement la fille la plus nostalgique au monde. Vraiment. Comme, on est arrivé à genre Lima, là, alors moi j'étais comme, Lima c'est déjà fini. On est resté genre. Ouais, mais tu sais, il nous est arrivé des affaires, là, Lima, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu retiens du Pérou? Les patates. Non, je retiens que il y a tellement de climats différents. De ville en ville, c'est genre ça mon point comme mon point fort. Que genre il y a tellement de climats différents dans un même pays à si peu de temps de distance. Genre. C'est fucké là. Comme avant d'être dans la jungle, on était à 10 heures d'autobus qu'à 400 km d'ici. On gelait. Puis on gelait. Puis ici, on crève humide dans la jungle, genre. On sait même plus, genre, quoi faire comment il fait trop chaud. Mais en soir, on est bien, par exemple, là. Ah, on est bien, là. T'es-tu bien, là? T'es bien, Yann? Ta bière, es-tu bonne? C'est maudit qu'il y a. C'est quoi tu bois? La Cruscagna. Ça, c'est de la bière de... Ici. C'est la bière faite au Pérou. Puis. C'est la bière de maïs. J'ai dit ça hier, c'est fait avec du maïs, mais c'est pas marqué nulle part sa bouteille. Fait que je sais pas, j'ai pas mis ça où. Je pense que c'est sur la cognac. On avait acheté au Walmart. Hein? C'est pas Walmart, mais. Hey, c'est vrai, on est allé là. Ben, au market à Arequipa, là. Ah oh, oui. À l'épicerie. Sur 10, ton voyage? 20. Non, mais. Ton coup de cœur. Okay, coup de cœur Wakachina. Ton deuxième coup de cœur. Deuxième coup de cœur, Aguascalientes avec le Machu Picchu. Ouais. Bouteille d'eau est un must. Wakachina, vraiment, là, le désert, c'est number one. Mon coup de cœur, je retournerai genre demain. Je veux m'en retourner au Pérou. Si je m'embarque pas dans l'avion, par exemple, je vais retourner à Wakachina. Ah ouais? Ouais. Parce qu'elle était en stand-by. Stand-by. Je suis sur les passes à mon ami, puis à Jean-Bron. Je sais pas si je rentre. Il restait 30 places. Là, 3 jours. Fait que maintenant, je sais pas combien il reste de place pour demain, mais en tout cas, si j'embarque pas sur le vol, je reste pas à Lima, là. Je m'en vais voir quelque chose. Ah, tu me fais chier. Non, ça, j'ai vu Yaline aussi. Au Ecolodge. Pas Ecolodge, mais au Ecocamp. C'était vraiment nice, hein, genre, ça. C'est familier, je me reconnais. C'est nice, hein, ça, comme place. Je préfère un deuxième tour de buggy. Encore. T'imagines-tu si c'est garé? T'imagines-tu? Je suis jaloux. Bon, fait qu'on va continuer à boire. Puis on va souper dans comme une demi-heure. C'est tard ici. 8 heures. Ben chez nous, je suis pas à 10 heures. Il me semble que tu fumais sûrement de très proche. Hein? C'était bon. Le corps est confessionnel. J'espère parce que c'était confessionnel dans l'estime. J'ai parlé pendant 8 minutes. Ok, toi, ton coup de cœur. Mon coup de cœur. C'est sûr que les dunes d'Aquatina, c'est hallucinant. Hey, tu me filmais crissement de proche, c'est sûr. Mais t'étais proche, mais c'était beau. Je peux pas te la mettre dans le cadre. Mon coup de cœur numéro un, c'est sûr qu'Aquatina, c'est comme surréel. Parle, Eric. Exprime-toi. Mon coup de cœur numéro un, c'est sûr qu'Aquatina, c'est vraiment... comme un autre monde, genre. C'est vrai, c'est un autre planète. Confessionnel, lobster. Ça fait tellement longtemps qu'on était là, mais c'était juste une scène. 4 jours, hein. Il parle... Comment c'était le gars de Love Story? C'était le maître? Non, le maître. Il parlait au...
Le maître. Le maître du jeu. Ouais, qu'est-ce que tu fais? Je me sens comme le maître du jeu en ce moment. Toi, ça? Je pourrais poser des questions. Ah oui, c'est vrai, il était là. Et qu'est-ce qu'il disait? Il parlait qu'il ne voit pas partir. Cher Lofter. Tu sais, expliquer le taux de change, comment ça fonctionne ici? Non, c'est pas vrai. C'est à toi de l'expliquer. Bon. C'est à ton tour. Confessionnaire. Question financière. Bon, moi, je vous explique. Et pas, on va juste tourner. Cher Lofter, quel a été votre coup de cœur? Moi, je pense que c'est Aquatina. Non, pas Aquatina, excuse. Il se trompe de okay, taille. Deux c'est... choses. Je connais aucunement les villes qu'on a visitées. Il est pourri. Ouais. C'est pas le nom. Celle-là qu'on avait, le premier appartement que la veuve s'acheuse. Arequipa. Arequipa, bon. OK. Je pense que c'était propre, c'était clean, c'était sécuritaire. C'est vrai que c'était vraiment propre comme ville. Ouais. C'était bien comme dans une ville européenne, genre. C'était beau. C'était mais beau. C'était plus musée. C'était plus musée. Mais moi, j'aime les musées. Fait que moi, j'aime ça l'histoire. Je suis pas tant insta-famous. Fait que. Les photos n'ont pas d'importance pour moi. Donc, j'écoutais au musée pendant que les deux autres se prenaient en pic de chicks. Quand je cherchais du Wi-Fi dans le petit restaurant. Moi, je regardais la momie pendant qu'eux autres, genre. La momie, c'était même pas une momie en plus, parce qu'elle avait tous ses organes. Parce qu'elle avait du jus encore. Elle avait tout son liquide, tous ses organes. Elle avait son liquide, elle était glacée. Sinon, ton deuxième. Comme un sorbet. On n'avait pas le droit de filmer, on vous a jamais montré ça parce qu'on n'avait pas le droit de filmer. Vous avez jamais vu ça parce que les caméras ont été. Vous allez au Pérou, si vous voulez voir. Les caméras ont été confisquées à l'entrée. Ouais. Après ça, deuxième coup de cœur. C'est quoi ce bizarre? Mais je pense que c'est ici. Ici? Ah ouais? J'aimais ça ici. J'avoue que j'aime, on l'a même pas mis dans notre top. Mais ça me surprend bien. Puerto Maldonado. Mais moi, j'aimais ça, j'ai transpiré, je me sens désintoxiqué. Toutes les toxines de mon corps sont sorties. Tout le mal. Tout le mal. Tout le méchant, le négatif. Ici? Ouais. Ah ouais. Ok, j'ai une trois. Pour de vrai, je suis habitué à l'air climatisé. Je suis pas une personne. T'es indépendant à l'air climatisé. Ouais. Je te coupais parce genre, l'air climatisé est parti depuis le mois de comme mai chez nous. Fait que je m'arrêtais de l'étendre. Non, stop là. Ok, j'ai vraiment une troisième question pour toi, ok? Troisième question. Le maître du jeu. Que tu me rires. Quel a été ton. ton chat. Mon chat préféré? ton chat. On dirait qu'elle a dit son chat. Quel a été ton chat? Oh my god, je suis pas capable. Ok. Quel a été ton chandail? préféré. Honnêtement, là. Lui, j'en ai acheté deux par placement de produit. Un orange et un Bourgogne. Under Armour, Outlet Mirabel. 2 pour 40, très très bien, ça laisse respirer. Surtout ici, j'en ai vraiment profité. L'humidité est sortie de mon corps, ça passe à travers du chandail. Aujourd'hui, j'avais l'orange, ce soir, j'ai décidé de porter du Bourgogne. Bon, on va, ça fait 17 minutes qu'on filme, on va faire pause. À plus. C'est sûr qu'il y a des one-shots. À plus. À plus, on s'en va souper. Bon, on a perdu Yann. Il est rendu chumé avec les barman à parler d'alcool pis tout. Là. Ah, il était parti me chercher un rhum. Il est pas revenu. Mais il est pas revenu encore. Fait que je sais pas si je vais finir par avoir mon rhum. Il est là, le rhum. Non, il est là, mais je sais pas si je vais finir par l'avoir. Ou pas. Ou non. Fait. Fait que là. Il est 6h du matin. Il est même pas 6h encore, je pense. Ben, il doit être 6h, au moins quart. 5h45, dernière journée au Pérou. Ouais. On s'en va voir les oiseaux ce matin. J'espère qu'on va en voir beaucoup. Perroquets, ben, tout ça. Nous, c'est notre dernière journée. Toi, c'est pas sûr. Toi, c'est pas sûr. Moi, c'est pas sûr. Ça se peut que je reste plus longtemps. Fait que. Tu es fatiguée, matin? Moi, je suis quand même en forme. Moi, je suis en forme, là, matin. On a dormi quand même une bonne nuit. On a dit qu'on retourne encore dans la jungle. Dernière fois. Pour la dernière fois, c'est quand même triste. Oui.
la chaleur, puis on s'en va dans le frais, je pense.